Bah oui, c'est parfait. Depuis 3 semaines, dans les salles de cinéma, pour les amateurs d'amour fou, on entend ça. Et oui, A Forest, c'est l'un des titres de la BO de l'amour ouf qui triomphe au cinéma. Ça se déroule dans les années 80 et c'est dingue, 45 ans après les débuts de The Cure, qu'on retrouvait au générique des Enfants du Rock, Robert Smith et ses amis sortent aujourd'hui leur 14e album studio après 16 ans de silence. Un album de 8 titres que le groupe a rodé dans une tournée triomphale cette dernière année. Et c'est là qu'on voit que leur importance et le fait que leur musique est intemporelle, et ben tout ça est éternel. Les nouveaux titres sont un monde familier pour toutes les générations. Alone, c'est le premier titre de l'album et le premier qu'on ait découvert. En fait, Robert Smith, il en avait 2 titres sous le coude au départ. I've got the end song, I've got the opening song, you know, which is probably why I started blathering about the album to people. We've got a new album, we've got a new album. When in fact we had like 26 pieces of music and 2 songs. So I was being slightly disingenuous, but I did it in good faith. I thought it might motivate me to kind of, you know, once it's like when you make a promise in public, it becomes more difficult to break it. Et je vous propose un extrait d'un deuxième titre, All I Ever Am. Voilà, l'album sort aujourd'hui un jour de Toussaint. Il porte le titre général de chanson d'un monde perdu et finalement donc retrouvé. Il n'a pas changé trop, hein, Robert? Non, Smith. Il y a un petit coup de vieux, mais toujours ce make-up qui lui va si bien. Exactement, avec du col. Comme vous dans les Femmes au balcon, le film de Noémie Merlant. Oui. Super transition. Ouais, j'étais pas toute seule sur ce coup. Non, mais qu'on a aimé Noémie Merlant et ça sort, je crois, au mois de novembre prochain. Décembre. Ah bon, n'importe décembre. Quoi. Rien ne va dans cette information. Non, mais novembre, c'est décembre. C'est pareil, c'est un créneau. Ou pareil, vous allez surprendre ceux qui vous aiment. Voilà.